آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، sans aucun doute, الله سبحانه وتعالى a créé l'être humain, l'insan, dans un état de faiblesse. L'être humain, par nature, est quelqu'un d'indécis. Il lui arrive de ne pas être capable de prendre des décisions. Allah Azza wa Jal, parlant de l'être humain, dit « Wa khuliqa al-insanu da'ifa » L'être humain a été créé faible, dans un état de faiblesse. Et il est donc tout à fait normal qu'il arrive quelquefois que l'être humain ne sache pas prendre une décision qui soit la meilleure, qu'il hésite, at-taraddud, qu'il ait un doute, al-shak. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que l'être humain, al-insan, a recours à la consultation, al-mushawara. Il consulte ceux qui sont autour de lui, ceux envers qui il a confiance. Et ceci est un impératif coranique. اقتداء قراني وشاورهم في الامر concerte les ce verset qui parle du prophète صلى الله عليه وسلم incite le prophète صلى الله عليه وسلم à se concerter avec ses compagnons وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين فاذا عزمت et après cette concertation lorsque tu prends une décision فتوكل على الله Place ta confiance en Allah Azza wa Jal. Inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin. Car Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui placent leur confiance en lui. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala décrit l'état des croyants en disant Wa amruhum shura baynahum. Leur situation, leurs affaires sont basées sur la concertation, shura. Et pourtant, sans aucun doute, et ce sera le sujet d'aujourd'hui, inshallah, la meilleure, sans aucun doute, la meilleure des concertations, la meilleure des consultations est celle que l'on adresse à notre Créateur, subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla, le parfait, le sublime par excellence. Mais avant d'arriver à la prière de la consultation, salatul istikhara, il est important de faire un petit détour afin de voir comment les gens avant l'islam, qabla l'islam, comment les gens procédaient pour savoir si telle décision est bonne ou non. À l'époque de la Jahiliya, la période anté-islamique, pré-islamique. Je traduis en arabe. Même il shak anna Allah ta'ala qad khalaqa l'insan fi halatin min al-da'f. في حالة من التردد من الحيرة والشك لا سيما إذا كان مقدما على اتخاذ قرار يهم دينه ودنياه أو أحدهما ولهذا وصف الله عز وجل الإنسان بقوله وخلق الإنسان ضعيفا فلهذا جبل الإنسان على مساورة غيره من العباد وقد وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر عندما قال وشاورهم في الأمر اقتداء القرآن حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشاور أصحابه عند نزول المدلهمات وكذلك وصف للمؤمنين وصف للمؤمنين بلزوم الشورى وأمرهم شورى بينهم أن الشورى
سمة لازمة للمؤمنين في شؤونهم. وموضوعنا اليوم إن شاء الله يتعلق بصلاة الاستخارة، لكن قبل الحديث عن صلاة الاستخارة ينبغي أن نتعرف بدءا عن الحالة التي كان عليها أهل الجاهلية قبل الإسلام، قبل مقدم الإسلام، كيف كان يتصرف الناس لمعرفة صلاح أمورهم. Donc, comment les gens avant l'islam, comment faisaient-ils pour savoir si telle chose est bonne ou mauvaise? On sait très bien que la période avant l'islam est une période de jahiliya, est une période de polythéisme, shirk, de superstition, khurafat. Et les gens avant l'islam avaient plusieurs méthodes. Lorsqu'ils devaient prendre une décision, ils recouraient à quoi? Soit ils recouraient à ce que l'on appelle atiyara. Atiyara, qu'est-ce que c'est exactement? C'est le fait de prendre comme repère un oiseau. Par exemple, lorsque l'un d'entre eux voulait voyager et qu'il lâchait son oiseau, si par exemple il voyait cet oiseau prendre le chemin de l'Est, il dit c'est pas bon, c'est un mauvais signe, je ne dois pas voyager. Et s'il prenait par exemple le chemin de l'Ouest, c'est bon, c'est un signe que je peux voyager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre ce genre de comportement et il l'a qualifié comme étant un signe de polythéisme shirk lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam atiratu shirk, le fait de s'appuyer sur le vol des oiseaux pour connaître une décision s'il est bon ou non, cela fait partie du polythéisme shirk. Également parmi les habitudes déjà avant l'islam, ce que l'on appelle al-istiqsam bil azlam. Al-istiqsam bil azlam, c'est le fait de tirer au sort des flèches. Il prenait trois flèches. La première flèche, il marquait dessus agir, du verbe agir. La deuxième flèche, il marquait dessus ne pas agir. Et la troisième, il la laissait vide. Et il jetait ses flèches. Et la première qu'il retirait, il lisait. Si c'est marqué agir, ils vont agir. S'il tombe sur la flèche qui est marquée ne pas agir, il n'agira pas. Et si par contre il tombe sur cette flèche vide d'écriture, saine d'écriture, il recommence donc le jeu. Voilà les superstitions, al-khurafat. Voilà le polythéisme shirk dans lequel vivaient les gens avant l'islam. Et bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, comme il est indiqué dans, entre autres, dans la surat, la table servie, al-ma'ida. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a interdit une série de choses, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وأن تذبحوا على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام وأن تستقسموا بالأزلام ولا تكن ذات تغس dans le verset dans سورة المائدة وأن تستقسموا بالأزلام. Il vous a été interdit une série de choses. Donc la bête morte, le sang, la viande, la chair de porc, d'autres choses, et parmi ces choses également, وأن تستقسموا بالأزلام. C'est-à-dire que vous serviez de ces flèches pour tirer le sort et pour savoir si ce que vous entreprenez est correct ou non. Également parmi les choses pratiquées à l'époque de la Jahiliya, il y a le fait de se présenter chez un voyant, Al-Kahan. Et ça malheureusement existe jusqu'à nos jours. Al-Kahan, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man ata arrafan au kahinan, fasaddaqahu bima yaqoul, faqad kadaba bima unzi ala Muhammad. » Celui qui se présente chez un voyant, un devin, et qu'il croit ce qu'il dit, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Il aura mécru en ce qui a été révélé au prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Donc on voit ici l'interdiction de se présenter à ces gens qui prétendent connaître l'invisible. Et également une chose aujourd'hui qui existe, surtout chez les Européens, et qui est le fameux vendredi 13. Le vendredi 13,
Donc, c'est aussi une superstition très ancienne, remontant à l'époque du Moyen Âge, où les gens, lorsqu'ils disent, lorsqu'ils voient que le vendredi coïncide avec le 13 du mois, ils évitent de faire certaines choses sous prétexte que certains malheurs peuvent les atteindre. Et c'est ainsi que l'islam est venu et a aboli toutes ces pratiques, les a annulées, les a rendues caduques et a installé l'unicité et tawhid. L'islam est venu et a installé l'unicité et tawhid dans sa perfection. Et fait partie de l'unicité et tawhid la prière de la consultation, salatul istikhara. Parce que l'on se tourne directement vers Allah Azzawajal. Parce que l'on s'oriente directement à lui. Et c'est vers lui. Et c'est à lui que nous nous adressons. Et c'est à lui que nous élevons nos requêtes et nos demandes. Non pas aux êtres humains, non pas aux animaux, mais au Créateur des cieux et de la terre. Khaliq al-samawat wa al-ard. Donc, dans la prière de la consultation se manifeste l'unicité et tawhid. Dans sa splendeur, dans sa grandeur. Et tout le reste, toutes les pratiques de la jahiliya sont annulées. Et il n'est plus possible pour le croyant d'avoir recours à un autre moyen pour se concerter, à part la concertation des croyants. Et il est important de rappeler ici que l'on se concerte d'abord avec Allah subhanahu wa ta'ala avant de demander aux créatures. Et malheureusement aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. Le contraire qui se passe dans le sens que quelquefois, lorsque nous sommes frappés par un problème quelconque, nous courons à toutes les portes. Nous frappons à toutes les portes et nous oublions la plus importante, qui est celle d'Allah Azza wa Jalla. Alors que normalement, c'est le contraire. Tu commences par la porte d'Allah, tu frappes à sa porte, tu l'invoques, tu lui demandes, tu implores secours auprès de lui. Et bien sûr, après cela, rien n'empêche que tu te concertes avec les gens de piété à Al-Salah, avec les gens de foi, Ahlul Iman, qui Allah subhanahu wa ta'ala, certainement les mettront sur ton chemin afin qu'ils t'aident, qu'ils te conseillent, billati hiya ahsan ou billati hiya aqwam, de la meilleure façon et vers la meilleure destinée. L'un d'entre nous risque de dire, mais pourquoi la prière de la consultation, qui est une invocation précédée d'une prière, et pourquoi la prière? Pourquoi ne pas se contenter tout simplement de cette invocation que l'on pourrait faire après n'importe quelle prière obligatoire? Ici, les savants disent, Ahlul Ilm, ils disent, nasab al-hal, ou anna talab, nasab al-hal. C'est-à-dire que la situation dans laquelle nous sommes, où nous nous tournons vers Allah Azza wa Jal, exige que nous commencions par la meilleure situation, ou la meilleure porte qui est la prière, li qar'i bab al-mulk, afin de frapper la porte du Suprême, subhanahu wa ta'ala. C'est comme lorsque l'un d'entre vous, ou lillahi al-mathal al-a'la, lorsque l'un d'entre vous écrit une lettre, une demande à quelqu'un de haut placé, tu as besoin d'une chose quelconque. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets dans ta lettre? Est-ce que tu commences directement par l'envahir, par ton désir, ta demande? Hein, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ou bien, monsieur, que directement tu commences, voilà, je vous demande de me donner ceci ou cela, ou d'accéder à ma faveur ou à ma demande, ou bien tu introduis une introduction. Surtout quand c'est quelqu'un de haut placé, que tu as besoin de lui. Tu introduis, tu le remercies pour tout ce qu'il fait. Tu fais éloge de sa personne pour tout ce qu'il apporte comme bienfait pour la cité ou la communauté. Et c'est après cela que tu introduis ta demande. Et cela fait partie des bienséances dans les lettres et les courriers de correspondance. Alors que dire avec Allah Azza wa Jal, la meilleure façon d'introduire cette demande, c'est la prière. As-salat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Wa awhayna ilayhim fi'l al-khayrat wa iqam as-salat. Allah subhanahu wa ta'ala parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبْرْ عَلَيْهَا. Ordonne à ta famille la prière et sois persévérant dans son chemin. Parlant des prophètes, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. Nous leur avons révélé
le fait d'agir dans le bien, de faire de bonnes œuvres, wa iqam as-salat, et s'acquitter de la prière. Et la prière surtout est ce meilleur lien qui unit le croyant, le serviteur à son Créateur subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que avant de commencer cette invocation, du'a al-istikhara, on commence par la prière, prière surérogatoire que nous allons découvrir, inshallah. Chers frères, chères sœurs, qui invoques-tu? Avec qui te concertes-tu? Es-tu en train de te concerter avec quelqu'un de faible? Quelqu'un qui oublie? Quelqu'un qui se lasse des demandes et des requêtes? Quelqu'un qui est pris par l'ennui ou la fatigue? Ou bien tu es en train de te concerter avec le maître des cieux et de la terre? Ou bien tu es en train de te concerter avec le maître des cieux et de la terre, celui qui connaît tout, l'omniscient, celui à qui tout appartient, celui que rien n'échappe à son savoir, sa science, sa puissance, sa connaissance, subhanahu wa ta'ala. On doit se rappeler cela. Lorsque nous procédons à la prière de la consultation, salat al-istikhara, il est important de se remémorer cela, de se rappeler que nous n'invoquons pas n'importe qui, mais nous invoquons celui qui entre ses mains les cieux et la terre, celui qui entre ses mains toutes les décisions. À titre d'exemple, vous savez qu'il existe de nos jours des conseillers, des gens qui sont là pour vous conseiller. Mais le problème de ces gens qui vous conseillent, c'est que ces gens peuvent soit se fatiguer, ou alors ils peuvent ignorer certaines situations, ou encore il faut prendre rendez-vous. Il faut prendre rendez-vous pour les rencontrer. S'il affiche à son cabinet ou à sa porte 15h, et que tu te présentes à 15h05, s'il est maniaque 15h02, eh bien elle te remballera de sa porte en te disant « C'est fini, t'en viens un autre jour. » Par contre, Rabbul Alamin, Qayyum al-Samawati wal-Ard, le maître des cieux de la terre, le gérant de cet univers, tu peux le consulter, l'invoquer en n'importe quel moment. Ses portes sont ouvertes, chers frères et sœurs, afin que tu t'adresses à lui. Tu n'as pas besoin de rendez-vous. Tu n'as pas besoin de passer par un intermédiaire. Tu t'adresses directement à lui. Subhanahu wa ta'ala. Alors, quelles sont les motivations? Pourquoi les gens se concertent avec Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi procèdent-ils à la prière de la consultation? Salat al-istikhara. Al-dawafi'. Il y a certaines motivations, comme par exemple le voyage. L'un d'entre vous souhaite procéder à un voyage. Alors il ne sait pas est-ce que le moment est approprié ou non. Et c'est là qu'il prie la prière de la consultation, salat al-istikhara. Le mariage également, al-zawaj. S'il veut se marier, si le jeune homme veut se marier, veut épouser une jeune fille, et il ne sait pas si c'est la bonne, s'il la frappe à la bonne porte, et l'inverse également. La sœur ne sait pas si cette personne est la bonne personne qui lui est destinée. La prière de la consultation intervient ici, bien entendu, pour cela. Également, le nas Allah salama, le divorce, le talaq. La personne s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala pour savoir s'il doit rester dans cet état ou bien il doit se séparer. Le travail, les études, le commerce et toute autre chose permise par l'islam. Et certains savants ont ajouté une adoration dont le temps est élargi. Bien sûr, quand on dit adoration dont le temps est élargi, cela exclut les adorations établies à des temps bien précis comme la prière. Tu n'as pas à faire un sikhara pour savoir si tu es prêt de voir. Ça, je pense, c'est clair. Hein? Ni pour savoir si tu vas faire Ramadan, il est arrivé, c'est demain Ramadan. Je vais dire, ben tiens, je vais faire cette sikhara pour voir ce que je dois faire, si c'est cette année ou non. Je vais voir. Ah, Foulain, tu fais, on va pas l'appeler Khalil,
d'un autre nom. Abdelaziz, tu fais le demain sur Ramadan, tu fais Siam, Inch'Allah. Allah, je ne sais pas, je vais voir. Je vais faire ça à l'Istikhara. Et je vais voir si c'est bon pour moi de faire. Donc, cette année, si je dois faire le jeûne du mois de Ramadan, là, ici, c'est exclu. Tu n'as pas à te concerter à l'Ostrata concernant un devoir qui était obligatoire. Mais par contre, Al-Hajj, le pèlerinage, dont son temps est élargi, si par exemple cette année tu as les moyens et que tu désires faire Al-Hajj, est-ce que c'est le moment ou non? Est-ce que Allah t'a destiné ce moment? Ahlul ilm, les gens de science disent qu'il est possible, mumkin, qu'il est possible pour le serviteur de faire ça, cette istikhara, pour savoir si le moment est venu ou non de faire le pèlerinage. À titre d'exemple, bien entendu. Je résume rapidement en arabe tout ce que j'ai dit. إذا قلنا بأن الإسلام بأن أهل الجاهلية كانوا يمارسون أعمالا شركية لمعرفة صلاح عمل يرجون القيام به من التطير أو استعمال الطيرة وهو الاستئناس بطير إذا شرق أو غرب وكذلك الاستقسام بالأزلام والاستخدام بالأزلام هو استعمال السهام والكتابة عليها أي يستعمل ثلاثة سهام ويكتب على أولها افعل على ثانيها لا تفعل وعلى الثالث تبقى غفلة ليس فيها شيء فهذه الأعمال الشركية أبطلها الإسلام وأقام صرح التوحيد وصلاة الاستخارة مظهر من مظاهر التوحيد حيث يتوجه العبد إلى ربه عز وجل لا يسأله إلا إياه لا يتوجه إلا نحوه سبحانه وتعالى من نستخير أيها الأحباب لا نستخير عبدا ضعيفا وإنما نستخير رب العالمين نستخير ملك السماوات والأرض الذي بيده مقاليد كل شيء أما الدوافع دوافع الاستخارة التي تدفع بالعبد نحو الاستخارة كالسفر إذا كان عازما على سفر كالزواج كالطلاق كذلك التجارة العمل الدراسة وغيرها من الأعمال المباحة وبعض أهل العلم أضاف إلى ذلك عبادة إذا كان وقتها موسعا كالحج فإذا ملك الإنسان الإمكانيات التي تمكنه من أداء هذه الفريضة فهناك من أهل العلم من استحسن أن يصلي أو أن يستخير ربه لمعرفة هل الوقت قد حان لأداء هذه العبادة لا prière de la consultation le hadith ou l'invocation se retrouve dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, Abu Daoud, Al-Tirmidhi et d'autres, d'après le compagnon Jabir ibn Abdillah Al-Ansari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ » Si l'un d'entre vous est préoccupé par une chose, « فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيدَ » Qu'il fasse deux rak'at, en dehors, الفريضة en dehors de la prière obligatoire ثم ليقول et qu'il dise après cela اللهم إني أستخيرك بعلمك اللهم إني أستخيرك بعلمك Oh mon Seigneur يا رب أستخيرك je me fie à toi je me fie à ta connaissance afin que tu me choisisses la meilleure des destinées وأستقدرك بقدرتك et je puise ma force dans ta force, dans ta puissance car l'être humain est faible de nature. وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ Et je te demande tes faveurs. Parce que quand Allah Azza wa Jal répond à son serviteur, la réponse, c'est une faveur et ce n'est pas un devoir pour lui, Azza wa Jal. لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلْ وَهُمْ يُسْأَلُونَ Allah Azza wa Jal n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais nous sommes interrogés. Donc si Allah Azza wa Jal répond à une de nos requêtes, il le fait, par faveur, il le fait par miséricorde, par ihsan, par bienfaisance, et non pas par obligation.
وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر. Tu es capable. Quant à moi, je suis incapable et impuissant. وتعلم ولا أعلم. Et ta science, tu connais. Ta science est vaste. Quant à moi, je ne connais pas. وأنت علام الغيوب. Tu es le connaisseur du monde invisible, de tout ce qui est invisible. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي. Oh mon Seigneur, si tu sais que cette chose dont je te consulte, sur quoi je te consulte, خير لي est meilleur pour moi. في ديني, dans ma religion. ومعاشي, dans ma vie d'ici bas. وعاقبة أمري, dans ma destinée, ou ma finalité. عاجله وآجله, qu'elle soit immédiate ou dans le futur. فقدره لي. Facilite-le-moi, ou dessine-le-moi, ou yassir-houli, et facilite-le-moi. Thumma barik li fi, et rends-le pour moi béni. Wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amr sharrun li. Et si tu sais, ya Rab, que cette chose sur laquelle je te demande, je te concerte, je te consulte, sharrun li, fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, dans ma religion. Mes affaires mondaines, ma destinée, agilihi wa agilih, dans l'immédiat, dans le futur. Fasrifu anni, wasrifni anhu. Fasrifu anni, éloigne-le de moi. Wasrifni anhu, éloigne-moi de cette chose. Waqdir lil khayri haythu kan, thumma raddini bihi. Waqdir lil khayri haythu kan. Et dessine-moi le bien là où il se trouve. ثم ربني به. Ensuite, fais de moi que je sois satisfait de ce que tu m'as destiné, de ce que tu m'as donné. Ça, c'est la prière, c'est la vocation, ce qu'on appelle salat al-istikhara. Nous allons l'expliquer en deux, trois mots. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et avant de commencer, Jabir, le compagnon, Jabir ibn Abdullah, dit dans ce hadith, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, donc Jabir, le compagnon Jabir ibn Abdullah dit que le prophète صلى الله عليه وسلم nous apprenait, nous enseignait la prière de la consultation dans toutes choses. Tout comme si nous enseignions les sourates du Coran. Alors que veut dire cette comparaison? Les savants ont donné plusieurs, Ahlul Ilm, ils ont donné plusieurs explications quant au sens de ce comparatif, de cette comparaison entre Salat al-Istikhara, Ta'lim ou Salat al-Istikhara, l'enseignement de la prière de la consultation et l'enseignement d'une sourate coranique. Parmi les explications qu'ils ont données, c'est que la prière ou l'invocation de la consultation doit être faite mot à mot. On ne peut pas changer un mot. Car quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne une sourate, il l'enseigne comme elle est. Tout comme il n'est pas permis aux croyants de lire le Coran, ou plutôt d'étudier une sourate dans ses sens, bil-ma'na. Et que s'il veut étudier et mémoriser une sourate, il doit mémoriser les versets tels qu'ils ont été révélés par Allah Azza wa Jalla. Il en est de même pour la prière de la consultation. Salat al-istikhara, du'a al-istikhara, l'invocation de la consultation, il convient de la réciter mot à mot, sans changer aucun mot. Et nous avons une chose analogue à cela, comme il est relaté par Muslim dans son sahih, d'après le compagnon Al-Barra ibn Azib, où un jour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a enseigné une invocation. Donc dans ce, il y a une chose analogue à cela, le respect, la conformité au texte de cette invocation, du'a al-istikhara, comme il est relaté, qu'analogue, comme il est relaté dans Sahih Muslim, d'après le compagnon Al-Barra ibn Azib, radiallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui apprenait un jour une invocation, et ce compagnon devait répéter cette invocation. À un moment donné, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وأشهد أنك عبد الله ونبيه
Et j'atteste que tu es le serviteur d'Allah Azzawajal et son prophète. Et le prophète sallam l'a corrigé en disant non. Balkul, Abdullah wa Rasuluh, le serviteur d'Allah et son messager. Pourtant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète, Nabi, est un messager Rasul. Mais ici, dans cette invocation, il a tenu à ce que ce compagnon la récite et la dise comme il lui a enseigné, sans changer aucun mot. Il en est de même ici, concernant Salatul Istikhara. Également, parmi les explications données concernant la comparaison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Jabir ibn Abdelaziz, كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. Il nous apprenait, il nous enseignait la prière de la consultation dans toutes choses, tout comme il nous enseignait les sourates. Ils ont dit également, من باب الاهتمام, se préoccuper, tout comme le croyant lui a demandé de se préoccuper du Coran, d'étudier le Coran, de lire le Coran, d'accorder une place importante au Coran, au Coran. Il en est de même pour Salatul Istikhara, d'accorder l'importance à cette prière, de la faire quand nous sommes pris par un besoin, par un désir de savoir si notre décision est bonne ou non, si notre choix, si le choix que nous voulons faire est bon ou non. Donc après la consultation, ce n'est pas seulement Salatul Istikhara, ce n'est pas seulement lorsque nous hésitons entre deux choses. C'est lorsque nous sommes préoccupés, إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ, lorsque l'un d'entre vous est préoccupé par quelque chose, qu'il puisse la faire. Et ils ont également dit comme explication, tout comme la sourate al-Qur'an a été révélée, et même de la révélation al-Wahli, il en est de même pour la prière, de la consultation, et bien d'autres explications qu'ils ont données à ce sujet. Bref, ce qu'on peut retenir ici, ce que nous pouvons retenir concernant la prière de la consultation, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prenez un soin immense à leur enseigner cette invocation, pour leur montrer l'importance de contacter Allah Azza wa Jal, d'entrer en contact, de le concerter, subhanahu wa ta'ala. Que veut dire tout cela? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Rab, ô mon Seigneur, astakhiruka el istikhara. Al-istikhara, c'est talabul khiyara, le fait de demander la meilleure des solutions. Tu demandes la meilleure des décisions, Allah Azza wa Jalla. Et nous avons vu, avant de commencer l'explication, nous avons vu que le prophète sallam dit, إِذَا أَهَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيدَ. Qu'il fasse deux rak'at en dehors des prières obligatoires. Donc, l'invocation du'a al-istikhara ne marche pas après une prière obligatoire. Si tu pries Salat al-Dohr par exemple, si tu pries Salat al-Dohr et après Salat al-Dohr, tu décides de réciter Al-Istikhara, ça ne marche pas. Parce que c'est contraire à l'enseignement prophétique. Al-Hadi al-Nabawi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend en disant فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيدَةِ, qu'il fasse deux rak'at en dehors de la prière obligatoire. ثُمَّ يَقُلْ, et qu'il dise ensuite. Donc cela veut dire que cette invocation, al-istikhara, l'invocation de la consultation se fait après le teslim, après les salutations, après qu'on soit sorti de la prière, non pas avant. Certains jeunes pensent qu'il est possible de faire l'invocation après le teshahud, avant faire le teslim. C'est une erreur. On le fait après, car le mot summa, le ta'qib, qui veut dire juste après. C'est après cela, après que tu aies terminé ta prière, qu'ils disent l'invocation suivante. Donc deux rak'at en dehors des prières obligatoires, et donc après avoir fait le teslim, les salutations, à ce moment-là, ils procèdent à l'invocation de al-istikhara. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ici le serviteur faible, wa khuliqa al-insanu da'ifa. Le serviteur faible s'en remet à Allah Azza wa Jalla, à la science divine. Car seul Allah Subhanahu wa Ta'ala connaît l'avenir. Seul Allah Subhanahu wa Ta'ala connaît la destinée de chacune de nos décisions. Quant à nous, nous avons beau faire beaucoup de calculs, faire de grands projets, des plans, tracer une trajectoire, mais qui dit que nous allons réussir? Bien sûr, il faut faire l'asbab,
faut pas dire je dors sur mon oreiller et j'attends, je prie ça, istikhara, puis je vais dormir et j'attends que la solution tombe du ciel. Non. Il faut mettre en pratique les causes qui vont nous conduire à atteindre notre but. Mais bien sûr, se rappeler que l'on connaît la destinée réelle de nos projets qu'Allah veut. C'est pour cela que nous nous référons avant tout à sa science. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka bi'qudratik. Et je puise ma force dans ta force, Allah Azza wa Jalla. Je suis faible. Je peux prendre une mauvaise décision. Ma décision peut être défaillante. Et c'est pour cela que je recours à ta puissance. Qudratuk, Jalla wa Ala. Ta puissance qui n'a pas de limite. Toi seul peux me mettre sur les rails. Toi seul peux m'orienter. Wa as'aluka min fadlika al-azim. Et je te demande tes bienfaits immenses, tes faveurs immenses. Car si Allah subhanahu wa ta'ala veut, il prive son serviteur. Si Allah azza wa jalla désire, il prive son serviteur de ce qu'il veut. Allah huwa al-mu'ti wa al-mani'. Allah c'est celui qui donne et c'est celui qui prive. Donc ici, c'est une façon aussi pour l'être humain, pour le serviteur al-abd, de se montrer humble, mutawadi', de se plier, de montrer qu'il a besoin d'Allah azza wa jalla. وأسألك من فضلك العظيم. Je te demande tes bienfaits. Ce n'est pas une obligation pour toi, ya Rab, de me répondre. Mais quand tu me réponds, quand tu m'orientes, c'est par un bienfait que tu me fais. Non pas parce que je le mérite, mais c'est parce que tafaddulan wa ihsanan. C'est par bienfait, c'est par faveur que tu m'accordes. Alors que je suis faible, ana da'if. Et bien sûr, on sait qu'Allah Azza wa Jal demande à son serviteur de l'invoquer, de se plier à lui. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Et votre Seigneur dit ادعوني, invoquez-moi et je vous répondrai. واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر. Tu es le seul capable, tu es le seul puissant. Quant à moi, je suis faible. Et rappelez-vous du verset وخلق الانسان ضعيفا. L'être humain s'est créé faible, il est hésitant, il se trompe quelquefois dans ses décisions. Mais si tu te remets à Allah Azza wa Jal, tu es en pleine confiance. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Tu sais ce que je ne sais pas. Et tu es le connaisseur, l'omniscient, tu connais tout. Ya Rab. Ici aussi, de nouveau, le croyant, le serviteur, se réfère à la science d'Allah Azza wa Jal. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وأجله. Oh mon Seigneur, si tu sais, et ici bien sûr ce n'est pas un doute, ce n'est pas comme si on disait ya Rab, dans ton tu sais, non. Le doute est par rapport à nous, pas par rapport à Allah Azza wa Jalla. Al-Shak, le doute est par rapport à nous. C'est nous qui nous interrogeons concernant une science certaine qui est chez Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala sait d'avance ce qui est bon, ce qui est mauvais. Mais nous, les serviteurs ici, par modestie, s'interrogent et se posent la question, ya Rab, en signe de respect envers son Créateur subhanahu wa ta'ala. In kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri 'ajilihi wa ajilihi. Si tu sais que cette chose est ici, une narration dit wa yusalli hajatah. Il est demandé au serviteur, l'abd, de demander sa chose. Par exemple, dans un exemple pratique, lorsque le serviteur dit « Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr » Oh mon Seigneur, si tu sais que cette chose, et il la cite, par exemple, mon voyage à tel endroit, « Khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajili wa ajili » Si tu sais que cette chose sur laquelle je te demande, je te concerte, je t'interroge, est meilleure pour moi, avance dans quoi ?« Fi dini » dans ma religion. « Ad-din muqaddam ala dunya » La religion, les principes liés à notre foi prennent le dessus sur les affaires mondaines. Avant tout, notre foi, qu'est-ce qu'on en fait? Avant tout, préserver notre islam, c'est la première chose. Car tu peux perdre ta dunya, mais ne perds pas ta foi. Tarsiru dunyaka, wala tarsiru dinaka wa imanaka. Le croyant peut perdre sa dunya, son bas monde, mais qu'il ne perd pas sa foi. Car s'il perd sa foi, il peut avoir le monde et tout ce qu'il y a dedans. Cela ne servira absolument à rien, yawm al-qiyam. Absolument à rien. C'est pour cela que l'invocation commence par le din, la religion avant tout.
ce qui est conforme à notre foi. Khairun fi dini wa ma'ashi, ma'ashi c'est ma vie d'ici-bas, mes affaires mondaines. Wa aqibati amri, et vers quoi je veux arriver, mes projets vers quoi ils veulent aboutir. Ajili wa ajili, qu'il s'agisse de décisions à court terme ou bien à long terme. Qu'est-ce qu'il faut dire à ce moment-là? Si la chose est bonne, qu'est-ce qu'il faut souhaiter d'Allah Azza wa Jal? La suite. Faqdirhu li, wa yassirhu li, faqdirhu li, dessine-le-moi cette chose, si tu vois, ya Rab, que cette chose m'est bénéfique, si elle m'est profitable dans ma religion, dans mes affaires mondaines, dans mon immédiat, mon futur, eh bien, dessine-moi cette chose. Donne-la-moi, ya Rab. Wa yassirhu li, et facilite-moi le chemin qui m'y conduira. ثم بارك لي فيه ثم بارك لي فيه ensuite bénis ce projet, bénis cette décision que je prends. Et le contraire, il كنت تعلم ان هذا الامر, et si tu sais que cette situation sur laquelle je te conseille, je te demande, je te consulte, شر لي, est un mal pour moi dans ma religion, dans mes affaires mondaines, dans ma destinée immédiat et futur. فصرفه عني وصرفني عنه, éloigne cette chose de moi et éloigne-moi de cette chose. Les savants disent ici que cela veut dire qu'on demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse en sorte que nous n'ayons pas un penchant pour cette chose, qu'Allah mette entre nous et cette chose un voile, hijab, qu'il l'écarte de notre chemin, qu'il fasse en sorte que nos cœurs ne penchent pas, ne s'accrochent pas à ces choses pour lesquelles nous avons un penchant, une tentation. فصرف عني وصرفني عنه. À partir du moment où on demande à Allah Azza wa Jalla qu'il nous l'écarte du chemin, qu'il l'éloigne de nous, qu'il fasse en sorte que nos cœurs ne penchent pas pour cette chose. Qu'est-ce qu'il faut demander à la suite? وَقْدِرْ لِي الْخَيْرِ حَيْثُ كَانَ, et dessine-moi le bien où il se trouve, où tu le vois, ya Rab, d'après ta science, عِلْمُكَ الْمُحِيطُ بِكُلِّ شَيْءٍ, d'après ta science qui englobe toutes choses, tu es omniscient, tu es le parfait. اخبره لي ثم ردني به. Ensuite, je te demande, Rab, quand tu me donnes une autre destinée, une autre solution, donne-moi la bénédiction al-baraka. Fais en sorte que mon cœur soit satisfait. Fais en sorte que je sois en tant que croyant radin, que j'accepte, que je me soumets, que je me résigne et que je prends ce choix, cette destinée, cette décision que tu m'as offert avec un cœur satisfait et soumis à son Créateur. Ar-Rida. فَصْرِفْ عَنِّي وَصْرِفْنِ عَنْهُ وَقْدِرْ لِلْخَيْرِ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَدِّنِي بِهِ, et destine-moi le bien là où il se trouve. ثُمَّ رَدِّنِي بِهِ, et fais en sorte que je l'accepte, que j'en sois satisfait. Voilà, mes chers frères, ce que veut dire cette prière de la consultation, salat al-istikhara. Ce que veut dire cette prière de la consultation, salat al-istikhara. Sana, éloge que nous faisons à Allah Azza wa Jal. Hamd, louange et remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'fun wa istikhar, nous faisons preuve de faiblesse, de dépendance envers Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que nous l'invoquons. C'est pour cela que la prière de la consultation a été établie et légiférée, afin que le croyant concrétise l'unicité et tawhid, qui est de s'orienter vers Allah Azza wa Jal, de l'invoquer, de s'appuyer, de placer sa confiance en lui, subhanahu wa ta'ala. Alors il y a des points, bien sûr, d'ordre juridique, d'ordre jurisprudentiel, qu'il convient de relater ici, pour savoir un peu cette prière de la consultation, qu'est-ce qu'il en est. La première des choses, ou le premier point jurisprudentiel, fiqhi, concernant le temps, à quel moment peut-on faire la prière de la consultation? Il est malheureusement très répandu chez beaucoup de nos jeunes, et nous allons voir cela bien après, chez beaucoup de nos jeunes, il est très répandu que pour faire la prière de la consultation, salat al-istikhara, il convient de la faire avant de dormir. Certains pensent qu'il faut la faire avant de dormir, et qu'ensuite, il faut se coucher à la barakatillah,
Et puis, la révélation descendra via un rêve. Voilà. Et si maintenant on ne reçoit pas de réponse la première nuit, il panique. Le lendemain, il recommence. Après-demain, il recommence. Et s'il est plus intelligent, entre guillemets, ou plus cultivé, non pas dans le Houda, mais dans les bidas, les innovations, il va dire, ben tiens, il paraît que il est recommandé soit de la répéter cette fois, ou alors tout simplement de la faire trois fois tous les sept jours. Donc tous les sept jours, on la refait trois fois. Subhanallah. Avons-nous oublié, mes chers frères et sœurs, ayol ikhwatu al-akhawat, que les portes d'Allah Azza wa Jal sont ouvertes à tout moment. La prière de la consultation, salatul istikhara, peut se faire à n'importe quel moment, que ce soit la nuit, que ce soit le matin, ou à midi ou l'après-midi, à n'importe quel moment, on peut la faire. Certains savants ont dit qu'il est préférable d'éviter les périodes déconseillées, awqatul karaha, telles que lors du lever du soleil, ou avant le coucher du soleil. Tout cela parce qu'il est connu que l'islam veille à garder ce fondement, cet édifice, qui est celui de l'unicité et tawhid. Il faut qu'il reste net, propre. Il ne faut pas qu'il y ait de ressemblance aux pratiques des polythéistes et des mouchriquins. Car les polythéistes, certaines catégories de polythéistes, aimaient adorer Allah Azza wa Jal au moment du coucher du soleil, pour voir les étoiles. D'autres aimaient l'adorer au moment du lever du soleil. Et c'est pour cela que l'islam, comme l'ont dit les gens de science, a interdit de prier à ces deux moments-là. Mais ici, bien sûr, cet avis de ces savants qui est respectable, on rappelle ici que cette prière n'est pas une prière surrogatoire comme les autres, et qu'elle rentre dans ce qu'on appelle salatu zatu sabab, une prière qui a une cause. Et une prière qui a une cause, on peut la prier n'importe quel moment. C'est comme si l'un d'entre vous entrait à la mosquée. Entrez à la mosquée au moment du lever du soleil. Le prophète Hassan n'a-t-il pas dit « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » Si l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assied pas jusqu'à ce qu'il prie deux rak'at. Certains savants disent que c'est un amrun am, c'est un ordre général qui ne tient pas compte des temps déconseillés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une prière obligatoire générale. C'est une prière qui a une cause, sabab, qui a une raison qui te pousse à la faire. Et ici c'est pareil, tout comme la prière, la salutation de la mosquée, tahiyyat al-masjid, tu l'as fait lorsque tu entres à la mosquée à n'importe quel moment, il en est de même pour la prière de la consultation, qui est également une prière qui a une cause, un sabab, parce que tu consultes Allah Azza wa Jal, tu te réfères à lui, tu te concertes avec lui subhanahu wa ta'ala, tu peux l'accomplir à n'importe quel moment, sans tenir compte de ces moments déconseillés, car ces moments déconseillés ne s'appliquent que pour les prières surrogatoires générales, où la personne veut prier comme ça, pour se rapprocher d'Allah. Il n'y a pas de raison particulière. Elle veut faire ce qu'on appelle al-nawafil. Là, bien sûr, le cas des prières, des moments des conseils s'applique. Donc, en résumé, nous pouvons dire que la prière de la consultation peut être priée à n'importe quel moment. Mais malgré cela, il y a des gens de science, ahlul ilm, qui disent que le croyant doit essayer de choisir les meilleurs moments pour l'accomplir. Et parmi les meilleurs moments, le dernier tiers de la nuit, également le vendredi, parce que le prophète sallam dit inna fil jumu'ati la sa'a, inna fil jumu'ati la sa'a la yuwafiqu muslimun qa'imun yusalli yas'alu Allah khayran illa a'tahu Allah iyyaha. Donc il y a dans le vendredi une heure que lorsque le croyant prie durant cette heure et qu'il demande un bienfait, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde. Et en général, les savants disent que cette heure commence, ou cette heure, il convient de la chercher ou de la rechercher après la prière du vendredi, jusqu'au moment de la prière de l'Asr, donc jusqu'à la fin de la journée. Également, lorsque nous sommes en voyage, au safar, également lorsque la pluie tombe, tous ces moments, bien sûr, ce sont à titre d'exemple, tous ces moments sont des moments bénéfiques où nos croyants, où les invocations sont beaucoup plus sûrs d'être exaucés. Donc je rappelle le dernier tiers de la nuit, également le vendredi, après la prière de Jumu'a, jusqu'au moment de la prière de l'Asr. Également, lorsque la pluie tombe, lorsque nous sommes en voyage, et il y a bien d'autres situations,
le jour de Arafa par exemple et autres, où le croyant, lorsqu'il invoque Allah Azza wa Jal, il a beaucoup plus de chances que son invocation soit acceptée entre l'Azan et l'Iqam, mais également entre le petit appel à faire le grand. Tous ces moments sont bénéfiques et le croyant doit bien sûr essayer de les choisir. Mais bien entendu, la règle reste générale que le croyant peut la faire à n'importe quel moment qu'il désire. Un point suivant, est-il permis de déléguer cette prière? On revient à le fameux Abdelaziz qui est fatigué. Alors ce qu'il décide, il dit tiens, je vais avoir recours au service de Abdelhaq. Abdelhaq, écoute, je vais demander un service. Est-ce que tu peux prier pour moi la prière de la consultation sur le Sikharabas que tu vas demander? On va pas demander ceci, cela, parce que moi, soit je suis fatigué, donc je n'arrive pas à la faire. Deuxièmement, soit je ne suis pas assez concentré. Troisièmement, soit, écoute, salam. Troisièmement, soit j'ai trop de péchés, et toi tu es quelqu'un de pieux, tu es très pieux. Donc j'ai plus de chances d'atteindre mon but. Ça, bien sûr, les savants Ahlul Ilm excluent ce genre de pratique. Tu dois t'adresser toi directement à Allah Azza wa Jal. Car dans le hadith le relate, إذا هم أحدكم بالأمر, si l'un d'entre vous est préoccupé par une situation, une personne, l'un d'entre nous est préoccupé par une chose, فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيدَةِ, qu'il fasse de rak'at en dehors des prières obligatoires. Donc il n'est pas permis, il n'est pas possible, dans ce cas, dans la prière de la consultation, salatul istikhara, de déléguer cette prière à quelqu'un d'autre et de demander à une autre personne de la faire à notre place. Sinon, chacun d'entre nous, lorsque nous sommes préoccupés par cela, à nous de la faire directement. Et on gagne bien sûr l'âge de la récompense à ce niveau. Autre point également important, qu'est-ce qu'on doit lire dans les deux raka'at? Alors souvent, il y a des gens qui disent, oui, il faut lire dans la première raka'at, ce qu'on retrouve dans les livres en général, les livres en français, malheureusement même certains en arabe, où il est mis qu'il faut lire dans la première raka'at. Qu'est-ce qu'il faut lire? قل يا أيها الكافرون إلى ضرب الزمن وتعاد قل هو الله أحد. Et qu'est-ce qu'il faut? Ils disent, ils font une sorte de comparaison, analogie, qiyas, avec quoi? Avec na'am, avec avant tout, avec les deux raka'at du fajr, du matin, avant la prière de fajr obligatoire, sunnat al-fajr, où le prophète sallallahu alayhi effectivement priait, il récitait dans la première raka'at قل يا أيها الكافرون. Dans la deuxième, قُلْ وَاللَّهُ أَحَدْ, il en est de même lorsque nous prions derrière l'emplacement d'Ibrahim à la Mecque, face à la Kaaba également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait partie de sa tradition, de sa sunna, de réciter la première sourate قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, dans la deuxième, قُلْ وَاللَّهُ أَحَدْ. Mais ici, dans cette istikhara, il n'y a aucune trace de tout cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas précisé quelle sourate ou quel verset, donc la porte reste ouverte. Et quant au savant est parmi l'imam al-Nawawi, rahimahullah, qui dit qu'il est recommandé, istihbab, il est recommandé de lire la sourate, de réciter la sourate al-Kafirun dans le premier raka'at, et qul huwallahu ahad dans le deuxième raka'at, nous disons, al-istihbab, yastaqiru ila dalil. Cette recommandation qui nous recommande exige une preuve, un argument. Wa nahnu ashabu dalil. Et nous, nous sommes les adeptes des preuves et des arguments. Donc, la porte est ouverte, on lit la sourate qu'on désire, sans restriction particulière. هناك مسائل فقهية تتعلق بالأحكام فيما يخص هذه الصلاة صلاة الاستخارة. أول هذه الأحكام أو أول هذه المسائل متى تؤدى في أي وقت؟ فعلى الصحيح على الوجه الصحيح الراجح أنها تؤدى في أي وقت. أما ما شاع بين الناس بأنه ينبغي أن تؤدى قبل النوم حتى يتسنى للعبد أن يرى مناما أو رؤيا, هذا غير صحيح, لأن الأحاديث الواردة في صفة صلاة الاستخارة لم ترد هذا الأمر ولم تذكره بتاتا, فيبقى ما دام الأمر تعبدي فيبقى على أصله وهو الإطلاق, أن هذه الصلاة تؤدي في أي وقت دون استثناء, وأبواب الرب عز وجل مفتوحة في أي وقت للدعاء والتضرع. وهناك من أهل العلم ذهب إلى عدم أدائها في أوقات الكراهة,
مثل طلوع الشمس أو بعد العصر وعند الغروب أو قبل الغروب. والصواب أنه يجوز أداؤها حتى في هذه الأوقات، لأن هذه الصلاة ليست من قبيل النوافل المطلقة، وإنما هي الصلاة ذات سبب كتحية المسجد مثلا. وحري بالمؤمن أن يختار الأوقات الفاضلة التي هي أرجى لحصول الإجابة، كيوم الجمعة، كثلث الليل الآخر عند نزول الغيث، يوم عرفة عند السفر بين الآذان والإقامة، وغيرها من الأوقات الفاضلة حيث يستجاب فيها الدعاء. هذا يصح فيه النيابة، هل يمكن أن أنيب غيري في أداء الصلاة؟ الصواب لا، ينبغي أن تؤدى أو يؤديها المعني بالأمر. القراءة، هناك من أهل العلم منهم الإمام النووي رحمه الله ذهب إلى استحباب قراءة سورة كل الكافرون أو سورة الكافرون في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة الثانية، ورأى في ذلك استحبابا. وفي الحقيقة ليس هناك دليل يعضد هذا الاستحباب، ونحن طبعا كما قلت نحن أصحاب دليل، نزور معه حيث دار ونقف معه حيث وقف. والاستحباب من الأحكام الشرعية، والحكم الشرعي لا بد أن يبنى على دليل، وما دام ليس هناك دليل فلهذا يبقى الباب مفتوحا لقراءة أي سورة على حسب وسع المؤمن. Le point suivant, peut-on répéter la prière de la consultation? C'est la prière istikhara, tu la fais aujourd'hui. Peux-tu la refaire à un autre moment? Al-Abhar, d'après ce qu'il apparaît, il est permis de la répéter. Mais attention, ne pas le lier avec un rêve, comme on va l'expliquer bientôt. Ne pas faire en sorte que la prière de la consultation, c'est la prière istikhara, est liée avec un rêve, comme font certains. Donc il dit ça, tiens, aujourd'hui j'ai pas fait de rêve, c'est bon, demain je la recommence. Tiens, il n'y a pas de rêve encore. Hein, ça tarde, la réponse tarde. Et c'est comme ça qu'il passe son temps à répéter jusqu'à ce qu'il attend, jusqu'à ce qu'il attend que le jeton tombe et qu'il puisse voir un rêve. Et on va voir comment les rêves sont trompeurs. Donc bien sûr. Donc il est permis, bien sûr, rien n'empêche qu'il peut répéter la prière de la consultation, surtout lorsqu'il veut être encore plus concentré qu'à un autre moment. Le point suivant, et c'est le point qui est très important. La réponse. Dans la prière, y a-t-il une réponse à la prière de la consultation? Y a-t-il une réponse à la prière de la consultation? C'est un point que tout le monde, auquel tout le monde pense. Voilà, j'ai fait la prière de la consultation. Y a-t-il une réponse? Les gens, malheureusement, prennent ça par deux bouts. Soit ils disent qu'il y a un rêve. Et le rêve est trompeur. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sahih, rapporté par Tirmidhi et d'autres, dit Al-Bushra Salafa. Tout rêve, toute vision se divise en trois catégories. Ru'ya min Allah, une vision, un rêve qui vient d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, deuxième chose, Tahdithun Nafs, c'est que tu penses tellement une chose, et ça arrive souvent, on pense tellement une chose que cela se reflète dans notre rêve. Troisièmement, Takhwifu Shaitan, c'est Satan qui fait te faire peur, de t'effrayer. Alors on ne sait pas exactement, on ne peut pas dire que le rêve est lié à la prière de la consultation. Cela peut être une pure coïncidence. Et bien sûr, Allah Azza wa Jalla est capable de te donner une réponse dans un rêve. Différence entre dire qu'Allah est capable de donner une réponse dans un rêve et entre quelqu'un qui attend un rêve. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas attendre un rêve. Ça, c'est une chose. Deuxième type de réponse que les gens attendent ordinairement, ils disent, ou ils pensent en disant, si mon cœur, après la prière de la consultation, si mon cœur a un penchant pour la chose, je le fais. S'il n'a pas de penchant, je ne le fais pas. Ça aussi, c'est très discutable. Pourquoi? Parce qu'il se peut que ce penchant, positif ou négatif, il se peut que tu l'as déjà avant de faire la prière de la consultation. Avant certaines séchales, il se peut que tu aies déjà un penchant pour cette chose. Par exemple, à titre d'exemple, de nouveau Abdelaziz. Abdelaziz, c'est absolument aller faire l'Umrah, par exemple. Il a absolument envie d'y aller. Et qu'est-ce qu'il fait? Dans son cœur, qui est qalbé, il a un penchant énorme pour ça. Il rêve. Jour et nuit, il pense à ça. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et fait la salle de Sikhara. Et quand il a prière, il dit, ben tu vois, subhanallah, j'ai la réponse.
mon cœur penche pour la chose. Donc c'est bon, je peux y aller. Ça, c'est un faux signe. Ou l'inverse, Abdelaziz, on lui a proposé un travail. Et ce travail ne lui plaît pas. Ce travail ne lui plaît pas. Ça ne lui convient pas. Alors il se tord le cou. Et il se dit, je n'ai pas envie de faire ce travail. Je déteste. Je honnais ce travail. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il dit, bismillah. C'est deux rak'at de sikhara. Et puis après cela, lorsqu'il se lève, lorsqu'il fait l'invocation, il termine, il dit, subhanallah, j'ai la réponse. Mon cœur est lourd. Je savais que Allah a une bonne réponse. Je ne peux pas pousser ce travail. Ça, c'est une fausse impression, mes chers frères et sœurs. Car déjà ici, tu avais déjà intention depuis le début. Non. En réalité, rien n'empêche que lorsque tu fais l'après de la consultation, que le choix entre deux choses, soit tu dis bismillah, ou alors tu te donnes un temps de réflexion et t'es permis après ça de consulter al-mu'minin, les croyants, as-salihoun, les gens de piété. Peut-être que chez certains d'entre eux, tu trouveras une sagesse, hikmah. Peut-être que chez certains d'entre eux, Allah te guidera vers l'un d'entre eux. Et la meilleure, bien sûr, des réponses, c'est que soit le chemin se facilite, ou alors tu vas trouver des obstacles sur ton chemin. Imma at-taysir aw at-ta'sir. Et c'est pour cela que les savants disent qu'il n'y a aucune trace, comme l'imam al-Iraqi, par exemple, rahimahullah, dit qu'il n'y a aucune trace dans les hadiths. Dans toutes les narrations des hadiths, il n'y a aucune trace quant au rêve, al-ru'ya, parce que c'est le plus répandu chez les gens. Il y a des gens qui lient, qui font une connexion entre, c'est quoi le branchement d'Internet? Ils font une connexion entre la prière de la consultation et un rêve. Ils disent, s'il n'y a pas de rêve, moi, pour moi, il n'y a rien. Il faut absolument que j'ai un rêve. Ici, on dit que le rêve peut être une simple coïncidence. Il est possible que ce soit une réponse dans l'Arzogel. Mais ne mets pas comme condition, comme réponse à ta prière de la consultation, un rêve. Non. Tawakkal ala Allah. Réfléchis bien. Concerte les croyants qui sont autour de toi. Ensuite, prends la décision. Et rien n'empêche, comme je l'ai dit, de répéter, bien sûr, la prière de la consultation. Et bien sûr, ce qui complète, ce qui couronne tout cela, bien entendu, si tu veux que ta prière, salatul sikhara, soit, inshallah, plus proche de ce qui est correct, tu dois respecter bien sûr certaines choses. Tu dois respecter certaines bienséances, adab. Parmi ces bienséances, el yaqinu billah, que tu aies certitude envers Allah Azza wa Jalla. Tu ne fais pas une prière avec un doute, en disant je ne sais pas s'il va me répondre. Si tu fais ça déjà d'avance, ta prière n'a pas de valeur. Pour l'invocation, du'a al-istighra n'a aucune utilité. Ud'u Allah wa antum muqinuna bi-ijaba, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, invoquez Allah Azza wa Jalla, et vous êtes sûr, et soyez sûr de la réponse. C'est comme ça que nous devons invoquer Allah Azza wa Jalla, en étant sûr qu'il nous répondra, Inch'Allah. Ajila lam ajila, dans l'immédiat ou dans le futur. Également, parmi les bienséances, safa ou khatir, avoir une conscience calme, limpide, pure, ne pas être travaillé par beaucoup de choses, par beaucoup d'idées, par beaucoup de préoccupations. Entrer dans la prière en étant dans un état de concentration. Troisième bienséance, at-tadarru' al-khushu', montrer notre état d'humilité dans la prière. Être humble, al-khushu' dans la prière. Être humble, se sentir proche d'Allah Azza wa Jalla. Pas faire la prière et son cœur, le cœur est distrait. De nouveau, j'en dis Abdelaziz. De nouveau, Abdelaziz qui entre dans la prière et n'est pas concentré. Pourquoi? Parce qu'après, il doit se rendre au magasin. Ou alors il doit aller au garage. Et lui, il prie et pense au magasin et pense au garage en même temps. Comment veux-tu te concentrer, Abdelaziz? Comment veux-tu te concentrer dans ta prière? C'est impossible. Et les conditions, bien sûr, s'éloigner des péchés. Al-bu'd 'an al-ma'asi, parce que le péché est un voile, hijab, entre toi et ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Al-ma'asi, hijab, baynaka wa bayna rabbik, subhanahu wa ta'ala. As-sidq ma'a Allah, être sincère avec Allah Azza wa Jalla. Faire cette prière avec sincérité, avec ikhlas, avec sidq, avec véracité. Troisièmement, tibul ma'kal wal mashrab. Faire en sorte que nos biens, que ce que nous mangeons, ce que nous consommons, ce de quoi nous nous vêtissons, soit originaire du licite, le halal. Car celui qui vit dans le haram,
comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, hadith muslim, d'après Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parlant de cet homme, « ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء » Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité l'exemple de cet homme qui voyageait et qui est dans un état de délabre, un état de... Il est hirsute, ses vêtements sont sales parce qu'il est en voyage. « أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء » Il tend ses mains vers le ciel. « Ya Rabbi, Ya Rabbi, oh mon Seigneur, oh mon Seigneur, oh mon Seigneur !» Et quoi d'autre ?« ومطعمه حرام » ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له مطعمه حرام فنغتغ حرام إليسيت ومشربه حرام سبواسنس إليسيت وملبسه حرام سبتماس إليسيت وغذي بالحرام إليسي نغيب إليسيت فأنا يستجاب له كما الله عز وجل peut-il répondre كما الله سبحانه وتعالى peut-il répondre à son invocation donc il est important de faire en sorte que nos biens soit licite, halal, pour que l'invocation, inshallah, soit exaucée. Et j'arrive, inshallah, vers la fin. Alors, quels sont les fruits que nous tirons, bien sûr, de la prière, de la consultation? Parmi les fruits, avant de passer aux fruits, une petite indication. Certains savants disent qu'il est permis, bien sûr, de lever les mains. Attention, ne pas s'essuyer le visage. Lever les mains pour la prière, donc, de l'istikhara. Vous savez que la prière d'istikhara, le fait de raf'u al-aidi, lever les mains, a des emplacements bien précis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains lors de la prière d'istikhara, à titre d'exemple. Et bien sûr, il est exclu de lever ses mains après les prières obligatoires. Mais ici, concernant la prière de l'istikhara, il est permis de lever ses mains et d'invoquer Allah Azza wa Jal, conformément au hadith. Inna Allah, hayyun karim, يستحن العبد رفع يديه أن يردهما صفرا. الله سبحانه وتعالى إذا أنت دجان parce que son serviteur lève ses mains qu'il invoque qu'il rabaisse ses mains alors qu'elles sont vides donc sans réponse. Donc ici bien sûr on s'en tient au texte qu'il y a certains états où il est permis et en d'autres il n'est pas permis. Donc les prières obligatoires il n'est pas permis de lever ses mains après la prière, mais certaines prières, salat al-haja, prière où il y a une demande, la règle, il y a une exception. Quant aux fruits que nous tirons, al-thimar, premièrement nous concrétisons al-ubudiyya, l'adoration à Allah Azza wa Jal, dans cette prière. Nous prouvons que nous sommes faibles, que nous avons besoin d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, nous concrétisons al-iman, la foi en Allah Azza wa Jal, la confiance que nous croyons place en son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Cette foi qu'Allah Azza wa Jal possède, donc les destinées de chaque chose. Également la confiance et le fait de se sentir à l'aise avec Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où tu te fies à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es en état de confiance. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les fruits que nous acquérons, le fait que tu as fait la prière, la consultation, Allah azza wa jal te facilite et rend tes gestes ou tes efforts bénéfiques. L'imam Ibn Qayyim nous dit justement dans un de ses propos, rahimahullah, il dit que le but de la prière, la consultation, c'est at-tawakkul 'ala Allah. C'est le fait de placer la confiance en Allah azza wa jal. C'est de renvoyer toute situation à lui, subhanahu wa ta'ala. Il dit également, et le fait de se fier à Allah Azza wa Jal, de se fier à sa puissance, d'avoir recours à sa puissance, à sa science, afin qu'il fasse le meilleur choix pour nous. Et cela fait partie, comme il indique, cela fait partie de la foi, cela fait partie de la satisfaction, arrida, que le croyant soit satisfait de ce que Allah Azza wa Jal s'agit pour lui. Et fait partie justement de la saveur de la foi. Il est important de relater certains hadiths faibles qui sont malheureusement répandus quant au sujet de la prière de la consultation. Le premier hadith, c'est le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, où il est mis « Min Sa'adat ibn Adam istikharatullah wa ridahu bima qadallah » parmi ce qui fait partie des bonheurs ou du bienfait d'un serviteur, du fils d'Adam, c'est de consulter Allah subhanahu wa ta'ala « istikharatullah wa ridahu bima qadallah » et le fait d'accepter ce qu'Allah Azza wa Jal a choisi pour lui. Ou min shaqawat ibn Adam, tarku istikharatillah wa sakhatu bima qadallah. Et c'est parti du malheur que touche le serviteur, que touche le fils d'Adam, Ibn Adam, c'est d'abandonner après la consultation et de ne pas accepter la destinée qu'Allah nous fixe. Ce hadith, bien sûr, est un hadith faible qu'il convient d'exclure. Également, parmi les hadiths faibles à ce sujet, un hadith où il est mis إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات إذا هممت بأمر
فاستخ ربك فيه 7 مرات ثم انظر الى الذي يسبق الى قلبك فان الخير فيه. Si tu es préoccupé par une chose, فاستخ ربك فيه 7 مرات. Consacre ton Seigneur 7 fois. Ensuite, regarde ce que ton cœur vers quoi il va s'orienter. فان الخير فيه. C'est là que se trouve le bien. Ça aussi, c'est un hadith ضعيف faible. Et c'est l'un des hadiths que les gens utilisent pour dire qu'il est permis de répéter 7 fois. Donc, ce soir, au bout de 7 jours ou 3 jours, bref, 7 fois donc après la consultation. Également, parmi les hadiths faibles à ce niveau, hadith de Anas également, où il est mis, où le prophète sallam aurait dit « Ma khaba man istakhar, wala nadima man istashar, wala ala man iqtasad. » Ma khaba man istakhar, n'est pas perdant celui qui se concerte avec Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا نَذِبَ مَنْ اِسْتَشَارَ Et ne regrette pas celui qui consulte les gens. وَلَا عَلَى مَنْ اِقْتَصَدَ Et ne sera pas dépendant des autres, celui qui se montre économe dans la gestion de son foyer. Et bien d'autres hadiths. Et je terminerai par certaines innovations bid'a qui sont malheureusement répandues concernant la prière de la consultation. Parmi celles-ci, le fait de lier la prière de la consultation à un rêve. Et ça nous l'avons vu précédemment. Parmi d'autres également, répéter 3 fois. La prière de la consultation au bout de 7 jours, également, il n'y a aucune preuve à ce sujet. Également, al-istikhara wa al-nadhr fi al-ayyam, l'ikhtiyar al-afdal, faire la prière de la consultation et regarder les jours en espérant tomber sur un jour de bonheur et dire c'est bon, c'est ce jour-là, c'est là que je dois agir, bismillah, c'est pour moi, c'est mon calendrier, il met ça plus croix. Hein? Également, ce que font certaines personnes dans certains pays, dans certaines contrées musulmanes, au moment où le soleil se lève, qu'est-ce qu'il fait? Il prie 2 rak'at avec l'intention de faire l'istikhara en disant « je me concerte auprès de mon Seigneur pour savoir si tout ce que je vais faire dans la journée est bon ou non. » Y a-t-il d'autres questions concernant? Donc le frère s'est interrogé en disant concernant la prière de la consultation, salat al-istikhara, est-il obligatoire d'accomplir 2 rak'at indépendantes? Et bien sûr, après cela de réciter donc l'invocation de l'istikhara, ou bien est-il permis d'introduire et d'inclure donc l'invocation de l'istikhara, la consultation, dans une des prières, si par exemple les 2 prières, donc plutôt les 2 rak'at que l'on fait, comme salutation de la mosquée, tahat al-masjid, à titre d'exemple, ou lorsque nous faisons nos ablutions par exemple, faire 2 rak'at après. En réalité, Ahlul Ilm, les gens de science disent que rien n'empêche que tu peux introduire cela dans ces 2 rak'at. Donc lorsque tu fais 2 rak'at, que ce soit pour la salutation de la mosquée, ou aussi, ou par exemple pour ce qu'on appelle donc les ablutions par exemple, rien n'empêche que tu peux lier ou mettre avec l'invocation de l'istikhara, et il n'y a rien qui empêche cela. Wallahu a'lam. Ici j'ai une question. N'étant pas arabophone, est-il possible, en attendant d'apprendre l'invocation de la prière, de consultation en arabe, de faire cette invocation en français? Eh bien, ici, on dirait, Inch'Allah, non. Pourquoi? Parce que cette invocation, tawqifiya, est établie dans sa langue, la langue arabe. Mais par contre, la personne, ce qu'elle peut faire, c'est essayer de l'obtenir en phonétique. En phonétique et de la réciter en phonétique. Mais de la dire en français, non. Parce que l'invocation a été dite en arabe. Si déjà en arabe même, il n'est pas permis d'échanger certains mots. Certains mots, il n'est pas permis d'échanger. Que dire si on la change complètement en changeant de langue? Donc, la personne, tout simplement, doit essayer de, à moins des choses, c'est de la dire en phonétique, et ce sera bon, Inch'Allah. Y a-t-il d'autres questions concernant l'istikhara? Wallah, concernant la question de notre frère, concernant la prière de la consultation, les 2 rak'at doivent-elles se faire à haute voix ou à voix basse? Il n'y a absolument rien qui interdit l'un ou qui impose l'autre. Et vous savez maintenant comment doit être accomplie la prière de la consultation. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Akhir da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.